Désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux? C'est génial. Où ça? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganky et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer? Ouais, mais le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Tu vois ce que ça donne, le planeur avec? Oh, ça rend pas dégueu. La citerne est assez stable pour être conduite en lieu sûr et vidé. Merci l'étoile longue durée. Ouh. Pas de méchant. Miles et Ganky se sont peut-être trompés. Ok, je suis au pont. Et aucune trace de nos enragés du safari. Oh non. Pourtant, on était sûrs. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Non, sérieux, les gens sont dégueulasses. Hein? Mm-hmm. S'il te plaît! Où votre boss à crinière trouve ce genre de gadget? Un véritable chasseur sait comment se faire. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Changement de position! Vite! Appuie-toi! Plus sérieusement, où est-ce que votre chef a emmené Lee et Gargan? Oh, criminel! Pas très loin! Saloperie. J'ai jeté un coup d'œil. Voyons ça de plus près. Alors, voyons voir. Ça me conduira peut-être à des réponses. Allez, vas-y, mon poulet. Montre-moi ton nid. Les courses-poursuites vont me manquer quand je serai à l'Émilinet. Cette adrénaline, les courses d'obstacles à travers la ville, je m'en lasserai jamais. Dire que je vais faire de la vraie science pour un vrai salaire. Non, mais c'est fou, j'y suis arrivé. J'ai eu une carrière stable. Ok, Parker, tu l'as fait.
On va fantasmer plus tard sur tes projets scientifiques. Chasse. Oh, un Rengen! Il est en état de marche? J'espère que vous avez une assurance! Attends. Vol, vol, mais tu ne m'échapperas pas! Attends, il a littéralement dit que tout ça, ça lui manquerait. Attends, ça veut dire qu'il va prendre sa retraite? Non, 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 non! Sympa le camouflage! Je peux jeter un coup d'œil sous le capot? Je prends ça pour un an! Et de deux camouflages. Je me demande si ma tenue réussirait à identifier leur fréquence visuelle. J'ai pas aperçu votre chef. Où est-ce qu'il se cache? J'aimerais bien lui toucher deux mots sur ses toits de vie. Tu n'es pas digne de son attention. Mais Scorpion, oui. Ok. Faut qu'on lui enlève ça. À couvert. Vous savez, j'ai pas grand-chose contre Garkan. Je dis juste que je lui ai mis 2-3 raclés. Et pourtant, t'as toujours retenu tes coups. Pour ne pas le tuer. Bah ouais, c'est ma marque de fabrique, ça. C'est que l'échauffement. Où est votre chef? Encore un robot? Je peux peut-être tester un truc. Ok. Alors. Désolé, poulet. C'est peut-être gênant pour toi, mais ça l'est tout aussi pour moi. Il devrait y avoir une. Ah ouais. Ah. C'est ta maison, ça. Ah d'accord. Allez, poulet, lâche-moi! Allez! Ah, tu vas pas à faire partie du voyage! Je vais envoyer la localisation à MJ. On trouvera peut-être des infos sur ce bâtiment. Où est-ce qu'on va? L'emplacement que je t'ai envoyé? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Ah ouais? L'acquéreur. C'est une société écran qui rachète des propriétés partout dans la ville, genre des immeubles entiers. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont disparu. Hé, vous deux, allez vous rendre utile. Le départ est imminent. Qui sont ces gens? Je vais le découvrir. Bonne chasse. Je dois les neutraliser discrètement. Et le reste des chasseurs? Leurs affûts sont en place et les canaux opérationnels. On est parés. C'est un beau terrain de chasse, cette ville. Il faut que j'arrive à en éloigner un. J'ai entendu du bruit. Ici, toi. Et donc. T'as pas perdu de temps? T'as trouvé quelque chose? Deux choses. Ce groupe armé se fait appeler les chasseurs. Et ils viennent d'un peu partout. Des mercenaires internationaux? C'est ce que je pense. Tu tiens peut-être un sujet qui pourrait finir en première page? Je bosse dessus. Merci. Oh, et vu qu'on parle boulot, j'ai accepté l'offre d'Harry. C'est fantastique! On devrait fêter ça quand t'auras fini ce qui t'occupe en ce moment. Carrément. Ciao. Ça te fera du bien. Et ça... Ça me fait du matos. On dirait qu'il prépare une guerre.
seulement. J'ai eu tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fabriquait? Salut, toi. Une vidéosurveillance de l'affût où je viens de passer. Il y en a d'autres, apparemment. Et partout dans la ville. Je vais envoyer ça à Genki. Ça devrait l'aider à les localiser. Que chasse grave. Et pourquoi? Toi aussi, t'as faim? Et voilà. Oh, c'est pour moi? C'est trop, fallait pas. Oh! Robuste et souple à la fois. Je me demande... Non. Cool. Et il a utilisé un vieux système d'une corde pour faire un nouveau gadget, tu te fous de ma gueule. C'est le moment de sortir mon nouveau jouet pour un tour d'essai. Les bases alentours sont connectées. Oh, trop bien. Champ de camouflage opérationnel. RAS. Aéronef. Drone rapace. Munitions. Provisions. Mieux équipé qu'une armée entière. Ce Kraven doit être riche. Ou avoir le bras long. Ou... les deux. Pourquoi pas. Mais en vrai, je m'attendais plus. J'avais pas vu le piège au sol. C'est vraiment pas bon. J'avais dit sur qui tu avais parié, en dehors de Volgograd. Son nom ne mérite pas d'être prononcé. Croyez-moi, c'est une malade mentale. Il avait passé toute sa vie là-bas. Un expert du pistage. Ouais, ça se défend. Mais c'est son âge qui l'a déterminé. Il a perdu patience contre un adversaire qui n'en manque pas. Tu crois qu'un autre... C'était quoi ça? Voilà. Bon, où je vais maintenant? J'ai pas d'autre option, on dirait. Un labo de recherche?
Raven étudie le sang de Lee. Il essaie peut-être de comprendre l'origine de ses pouvoirs. Ou comment s'est approprié. Tante May est fière de son travail au Fist. Même si Lee a complètement perdu les pédales, j'espère que ça veut pas dire que tout ce qu'il a touché a aussi été corrompu. Un masque des démons intérieurs. L'ancien gang au super pouvoir de Lee. J'espère que Kraven ne veut pas les imiter avec ses chasseurs. Et tu vois que ça va être totalement ça. C'est... le tiare à Petaï. C'est une des fleurs les plus rares du monde. Son essence possède des vertus médicinales extrêmement puissantes. Je voulais m'en procurer il y a quelques années pour combattre le poison de scorpion. Mais j'avais pas de quoi me payer un vol pour Rayatea. Et Kraven a les moyens, lui. Des hallucinogènes. Ça doit être ce qu'il y a de pire dans le poison de scorpion. Si Kraven intègre ça à son arsenal... Oh. Le docteur Farley Stilwell. Scorpion tire ses pouvoirs de ses expériences génétiques. Kraven s'est bien renseigné. Partenaire connu de Scorpion, Mac Gargan, docteur Farley Stilwell, docteur en biochimie et biologie moléculaire, thèse la néogénique, estompe la frontière entre l'homme et l'animal, étude de la manipulation génétique humaine par l'ADN animal, le biomimétisme mécanique, non néogénique inventé par Stilwell, rejeté par la communauté scientifique. Ah voyons. Ancien attaché, GG Winter pour ton level up. Ancien attaché temporaire. D'enseignement et de recherche à l'Empire State University. L'Empire State University. Envoyé pour détournement d'équipements scientifiques et expériences contraires à l'éthique. Tentative de démontrer la théorie de la néogénique jugée farfelue malgré des résultats concluants. Relocalisation temporaire à Madripoor. Poursuite des expériences dans le district de Lawton. Financement de Trask Industries. Après enquête, aucun lien avec Trask. Rapprochement indésirable de gangs locaux, retour à New York. À New York, gain de popularité sur les forums conspirationnistes et pseudo-scientifiques. Article du Daily Bugle sur les scientifiques marginales Stilwell, remarqué par J. Jonah Jameson. Financement par JJJ du nouveau projet de Stilwell, créer un anti-Spider-Man. Putain, c'est vrai que c'est à cause de lui qu'il y a le scorpion. Application d'une tenue biomécanique et infusion de neurotoxines de scorpion au sujet, Gargan. Pas de mieux qu'un scorpion pour tuer une araignée. Ensuite des expériences de Stilwell sur Gargan. En dépit de la détérioration de l'état psychologique de ce dernier, 6 juin acquis lors d'une fuite des dossiers de Stilwell. Besoin désespéré de faire ses preuves. Ils testaient leurs armes sur cette armure. Et il n'y a pas une seule éraflure. Moi je la vois bien l'armure. Exact. J'imagine qu'ils devaient tester les points faibles. On n'est jamais trop prudent avec Scorpion. Attends une minute. Ouais, MJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Kraven. Tout porte à croire que c'est le chef de la bande. Et il organise une espèce de chasse. Kraven le chasseur. Il chasse quoi exactement? Je suis encore dans le flou. Scorpion et Lee sont impliqués. Tu peux te renseigner sur ce Kraven en attendant et mettre Miles au courant? Je m'en occupe. Fais attention à toi. Alors qu'on allume encore combien de feux dans la ville. Autant qu'il le faut. Raven dit qu'il y en a partout dans son rêve. Mais son rêve est prémonitoire. Ça veut dire que les feux seront là, quoi qu'il arrive. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est lui qui décide d'allumer les feux, pas le destin. Vous avez entendu? Petite pause. Aussi longtemps. Wow. Hyper enragé. J'ai
dans son dossier. Gargan était un chasseur né. Lee, il les donna progressivement, avec tout le bazar autour de ses parents. La vengeance, tu trouveras pas de meilleur moteur. Ça remonte à quand, la dernière fois que tu t'es vraiment lâché? Quand l'araignée l'a chopé. Waouh. J'imagine qu'il doit crever d'envie de se faire quelqu'un. Il en aura l'occasion. Est-ce que tout va bien? La dino de l'interfère. Au rapport. Je répète, soldat, au rapport. Il y a peut-être un souci. On va voir ce qui se passe. Bien reçu. J'y vais. Ici, toi. Reste à terre. S'il te plaît. Aussi. Patrouille intérieure, au rapport. Va voir, on a peut-être de la compagnie. Bien reçu, j'y vais. Mais il se passe quoi? La piste va vers toi. Toi aussi, gros dodo. Ouais, dodo. Mais oui, mais oui. Il se passe quoi là-bas? Et oui, mais oui. J'aimerais des réponses. Les questions, ça commence à bien faire. Alors, Kraven, dis-moi ce que tu cherches. Attends. Partir chasser avec Scorpion et Lee, je comprends. Mais Black Cat est une voleuse. Oh, je pige pas. T'as pas le Kleps? Ah! Tu sais que les vilains chiens sont privés de grenades? Ah! Gentil, toutou, clébard, robot. Oh, sacré dentition. Ok, donne la patte, fais le mort. Ah, enfin! J'attendais la fourrière avec impatience! C'est déjà un peu mieux. Attention à cette toile! Je veux la voir! Bon, bah maintenant que vous êtes là, j'ai une question. Il chasse quoi, Kraven? Je peux peut-être l'aider! Attention,
plus simple pour tout le monde si quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Kraven chasse ce que l'homme craint le plus. C'est tout ce que t'as à savoir, Darkier. Donc il chasse l'échec, l'intimité, les clowns. Oh oui, les clowns, c'est bien ça. Eh bah, bon débarras. Dangereux, Klebs. Bon. Bien. Mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous protégez? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. On dirait que ce Kraven met en place une équipe de choc. Ah. Coco, Méline. Un qui s'est échappé. Scorpion. Et toi? Alors comme ça, c'est tout ce que tu as. On m'a dit que tu étais un tueur. Imagine l'ampleur de ma déception. Ah! Bon, bah, on n'aura pas affronté Scorpion. Déjà. Non, il fait pas équipe avec des super vilains pour une chasse. Ce sont ses proies. Felicia. Oh putain! Ah, il fait une fixette sur Martin Lee, c'est pas bon ça. Où êtes-vous? Perry, tu es prêt? Pourquoi? Vraiment? Mon invité va arriver et tu surfes encore sur le net. Maman, plus personne ne dit surfer sur le net. Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mis ton super rouge à lèvres. Il te plaît vraiment ce gars-là, hein? Oh, je sens que ça pue. Miles? Excuse-moi. La prochaine fois, je te promets que... Miles. Je t'aime. Ça pue tellement fort sur qui est la personne qu'elle a rencontrée. J'ai deux idées en tête de qui c'est. Ouais. Bon, j'ai des infos. J'ai trouvé.
trouvé une des bases des allumés du safari, ou des chasseurs, comme ils seront appelés. J'ai aussi appris le nom de leur chef, Kraven. Il a tué Scorpion. Et il a toute une liste de super vilains à éliminer. Hein, quoi? Ça veut dire... Ni? Je sais pas. Mais cette liste est longue. Ça peut être les hommes dont Marco nous a parlé. Ils traquaient l'homme sable. C'est pas vrai. Et Felicia est sur leur liste aussi. Black Cat? Ton ex? Exactement. Elle n'écoutera pas si je lui dis qu'elle est en danger. Et peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si MJ t'envoie quelques adresses, tu serais OK pour aller t'en occuper sur place? Pas de soucis. Merci. Sincèrement. Il faut que je me vide un peu la tête. Mais rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit et... on va retrouver Lee Bates. Je te le promets. Il me reste un peu de temps avant que MJ m'appelle. Il se passe quoi dans le quartier? Les chasseurs essaient d'installer quelque chose sur ce... C'est le nouveau Spider-Man! Chauffez-le! Très joli, ce petit avant-poste! Ça vous ennuie si je le réduis en morceaux? Il est dans mon viseur! Chien! Je risque pas d'avoir ce genre de problème. Ça va tellement plus vite comme ça. Quoi de neuf, les amis casteurs? J'ai reçu une tonne de questions à propos de la nouvelle fondation Emily May. Qui l'a créée? Quel est son but? Alors, pour résumer, c'est une organisation issue d'Oscorp. Je sais, ça commence mal, mais la personne qui la dirige, Harry Osborne, a plutôt bonne réputation. Il a en tout cas le mérite d'avoir recruté l'une de mes personnalités scientifiques préférées, le docteur M. Young, spécialiste du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Et... véritable pro du ukulélé, comme vous le savez déjà si vous êtes de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Petit message à l'attention d'Osborne Junior. Ta fondation a du boulot pour réparer les dégâts causés par ton père. Mais on peut dire que t'es sur la bonne voie. Si en plus tu commences à payer tes impôts, alors là, je serais carrément impressionné. Continue comme ça. A plus. Les chasseurs doivent pas avoir ce ravitaillement. Donné par tous les équipements qu'on voit. Vous croyez que ce que les chasseurs... Vous faites encore vos garçons pour quitter la ville. Eh ben j'en connais certains qui sont pas prêts de recevoir leur colis. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais il y a... Coucou Miles, j'ai les adresses de plusieurs plantes de Black Cat. T'as parlé. Je me rends à la première là. Merci de t'en occuper. Il se fait parfois un peu manipulé par Felicia. Et je sais que t'as du travail avec ton ex. Ça va, j'ai toujours du temps pour Spider-Man. L'équilibre travail-vie privée, ça te connaît autant que moi, on dirait. J'essaie de boucler mon article sur les chasseurs. Je vais peut-être même garder mon boulot. Mais, et vous,
arrivé à Scorpion, Lee qui est dans la nature. C'est difficile de se concentrer alors qu'il est en liberté. Ne laisse pas ça te ronger. Essaie plutôt de te concentrer sur ce que tu as à faire. C'est pas tout. Quand j'ai affronté Lee, j'ai eu des nouveaux pouvoirs. Ils sont bleus et bizarres. Bon, je suis pas experte en super pouvoirs, mais... C'est peut-être le stress, non? Tout ce qui t'arrive, c'est pas facile. Mais tu n'es pas seule. Même pour Pete et moi, c'est pas toujours évident. Une chose à la fois, d'accord? On va le trouver. Je sais. Merci, MJ. Et Miles, surtout sois prudent avec Felicia. Ne lui fais pas confiance, quoi qu'elle dise. Préviens-la pour les chasseurs et fais-la sortir de la ville. Compris. Je t'ai fait signe quand j'y suis. Moi, je fais un truc en même temps. Je sais que j'ai laissé mon sac à dos quelque part par là. Super. Non. C'était aussi rapide pour s'habiller. Hey Miles, ça va? Hey, je suis content de te voir. J'arrive pas à croire que Monsieur Atlas va venir ici à BV. Peut-être que s'il aime bien mes sons, ben, je pourrais même décrocher une bourse d'études. Hey Max, par ici. Hey. Te voilà. Monsieur Atlas n'est pas arrivé. Merci. J'aimerais beaucoup lui parler de son programme de physique numérique. On a eu votre signalement de disparition il y a 30 minutes. Que s'est-il passé? Justement, on n'en sait rien. Elle allait chercher quelque chose dans sa voiture et... Il y a un problème? J'ai entendu que deux mots. Signalement et disparition. Donc je dirais que oui. Va voir. On va garder ta place. Merci. Je dois me rapprocher de la principale. Je vais peut-être en apprendre plus. Vous auriez quelque chose qui lui appartient? Oui. Elle a laissé son téléphone. Est-ce qu'il est déverrouillé? Est-ce qu'elle a reçu des SMS, par exemple, ou autre? Tiens, tiens. Rien à part des notifications de son application de fitness qui continue de compter ses pas. Elle peut être n'importe où. Les élèves adorent Madame Ferguson. J'espère qu'elle va bien. Trouvez-la, je vous en prie. On fera de notre mieux. Madame Ferguson a disparu. Oh non. Apparemment, elle porte encore sa montre connectée. Je me demande si je peux choper le signal. Quel enfer. Alors, voyons voir où se trouve ce capteur d'activité. Dernier emplacement connu, Dawson Harbor.
Bon, ça va, je m'y fais à la voix de Miles, Sophie. Début de l'appel en synthèse vocale avec Ellie Cooper. Miles, Monsieur Atlas vient d'arriver. Tu seras là quand? Oh, la poisse! Je dois trouver Madame Ferguson d'abord. J'arrive dès que je peux. Il distribue les dossiers de demande de bourse. Oh. Est-ce que tu peux en prendre un pour moi? Je vais faire mieux que ça. Je t'ai envoyé un lien. Oh, merci. Bonne chance. Et dépêche-toi. Hé, hey, salut, Max. Ouais, Ganky. Ça peut attendre? Pas vraiment. Monsieur Atlas est ici. Je lui ai dit que tu pouvais pas assister au forum parce que tu fais du bénévolat. Et il a demandé à te parler au téléphone. Est-ce que t'es en capacité de le prendre? Merci, Ganky, mais c'est vraiment pas le bon moment, là. Monsieur Atlas, je vous le passe. Je sais que vous avez un rôle à prendre. Ganky! Allô, Miles? Oui. Allô? Vous chuchotez. Je vous dérange, peut-être? Non. Je peux m'arranger. Je vous écoute. Super. On m'a dit que vous étiez intéressé par notre programme de technologie musicale. Alors, parlez-moi de vous. Vous avez une passion? Une passion? Je faisais de la production musicale avant. Mais j'ai un peu de mal à me libérer du temps en ce moment. Votre ami Ganky m'a fait écouter des extraits de votre travail. C'est très bien. Le morceau Tisseur en particulier. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ouais, ben c'est que un jour j'étais en train de tisser et je réfléchissais. La musique m'est venue toute seule. Intéressant. Et pourriez-vous me dire ce qui compte pour vous dans la vie? Être présent pour les gens qui ont besoin de moi. Être fiable, digne de confiance. Quelqu'un sur qui on peut compter. Très intéressant. Et pour finir, en quoi pensez-vous que vous feriez un bon candidat pour notre école? Je baisse jamais les bras. Et je tiens à faire ce qui est juste. Je vous décevrai pas. Fascinant. Eh bien, Miles, merci de m'avoir répondu. Je crois que j'en ai entendu assez. Merci. Est-ce que vous voulez mon email pour qu'on reste en contact? Bien. Ça aurait pu se passer mieux. J'aurai peut-être le temps de croiser Monsieur Atlas si je retourne à BV en vitesse. Pour clarifier des trucs. Toi déjà. Ok, pas de soucis, une très bonne app. Très bien. Maintenant que je me suis débarrassé de ces types, on va voir où conduit le signal du capteur. Elle est là. Cette vitre a pas l'air trop résistante. Je vous libère. Vous n'avez rien. Oui, ça va. Mais qui sont ces gens? Comment ils ont su que je travaillais pour Rand? On tirera ça au clair quand cette prise d'otage sera terminée. On a une araignée à écraser. Elle est morte, Spider-Man. Elle reste ici. Cachez-vous. Moi, je m'occupe d'eux. Bonjour! C'est du kidnapping! Je vais quand même pas vous laisser faire! Aïe! 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 Et laisse-moi respirer! Sérieux, quoi? Yeah!
Et il m'a fait mal les gros dans celui-là. J'en crois pas. Tain. Mes yeux. Tu les as éliminés à toi tout seul. Ça fait partie du boulot. On se met en route. Ne me dis pas que t'as l'intention de me porter. Bien sûr, j'ai déjà porté déjà. D'accord, du moment que tu me confirmes oralement que si je te vomis dessus, tu porteras pas plainte. Vous avez ma parole. Grâce à Spider-Man, notre cher professeur Madame Ferguson est de retour parmi nous, saine et sauve. En gage de gratitude, j'ai l'insigne honneur de déclarer Spider-Man héros officiel de Brooklyn Visions. Waouh. Vous serez toujours le bienvenu, Spider-Man. Merci. À présent, au quadruplex, nous avons une démonstration de robotique à faire. Ouais. Et donc ? Ça laisse peu de temps. Bonjour Miles. Cet entretien compte manifestement pour vous, mais j'ai senti que vous étiez préoccupé par quelque chose. Monsieur Sinclair a appuyé votre candidature et votre principal aussi. Donc, je vous propose un rendez-vous cette semaine, en personne. Parfait. Il y a eu quelques requêtes via l'appli sur le campus de BV. J'ai préféré t'appeler. Oh non. Non, non, pitié, non. Non. Bon, changement de costume. D'accord. Ah. Tenue, l'histoire d'une vie. Oh. Il est pas beau. La tenue Brooklyn 2099. Oh. Je suis pas fan du rose. D'accord. Ou Méline. Nako. Bon, bah je vais choisir pour le coup. Du coup, bah, je vais débloquer la tenue de Brooklyn, elle est pas mal. En vrai, j'aime bien les couleurs, à part l'orange et le rose, le bleu et le vert, ils sont pas mal. Je vais prendre le bleu, évidemment. Oh. Oh. Mais...